mis ça ta... Ouais. Oui, que puis-je? Oh. Splendide. Vous êtes là pour me tuer? Je quoi? Peu importe. Chaque homme a son prix. Ça suffira? Je ne suis... Auriez-vous l'amabilité de prendre les rênes? Avant tout, sachez que j'ai reçu des menaces de mort. Malcolm Milner est en guerre ouverte contre moi depuis que M. Starrick a racheté sa société. Ne le prenez pas mal, mais vous avez tout d'un tueur. J'ignore si je me remettrai un jour d'un tel affront. Dites-moi, quel intérêt auriez-vous à m'aider, M. Fry? J'y vois une occasion mutuellement profitable. Vraiment? Est-ce si difficile à croire? Quelles que soient vos intentions, j'aurai grand plaisir à me venger de Milner. J'ai su. C'est un bus de Milner. Je ne peux plus perdre d'omnibus! C'est bien. Malcolm Milner, le pantin de Starrick en personne. Attention, vous autres! Quoi? Tu viens avec... C'est tout ce qui compte. Et tu t'attendais à quoi, à ce que... Peu importe, hein. Elle a de moins en moins de monde qui bosse pour elle. C'est tout ce qui compte. Souffert. Un ennemi de moins. Ah, courage, Jacob. Ce ne sera pas une grande perte. Aussi crevé qu'un caillou, et bon débarras. Tu risques plus de mort. J'ai bien envie de te ramener et de te jeter au chien. Prêt à exploser. Je suis avec vous, Monsieur Fry. Ça fait plaisir à voir. Alors, qu'en dites-vous? Je vois déjà le cours des actions de Milner s'effondrer. Vous êtes engagé. Je pense que nous pourrions collaborer à nouveau. Prenez rendez-vous avec ma secrétaire et je vous dévoilerai la prochaine étape de notre plan. En fait, je ne travaille pas. Comme ça.